ne peut pas dire qu'il y a trop de films. Il n'y aura jamais trop de films. On n'est pas fait pour tous les films, et tous les films ne sont pas faits pour nous. Peut-être il y a trop de films, hein, mais qui va choisir? Il y a des films qui ne feront jamais 15 millions d'entrées comme Intouchables. Et ce n'est pas grave. En tout cas, tous ont droit à rencontrer leurs spectateurs. C'est une fête, hein, toujours, quand même, de sortir un film au cinéma. C'est quelque chose de formidable. Même si c'est dans très peu de salles, c'est toujours... Pas faire beaucoup d'entrées, c'est bien. Enfin, c'est pas bien, c'est pas mal, en tout cas, ça c'est sûr. Il faut le... Le cinéma, certes, c'est une industrie, mais il dispose pas d'un réseau de recherche comme dans l'industrie en général, quoi. C'est, comment l'appeler, un art, tout simplement, qui pousse par les marges, quoi. On a une économie qui n'est pas tellement celle qu'on attribue généralement au cinéma, mais qui est assez proche de celle de la peinture. Réaliser un film, le produire, le montrer, le distribuer, l'exploiter. Enfin, toute la chaîne doit être pleine d'inventions. Il faut essayer, à partir des contraintes, de faire les films qu'on peut faire. Et ça, c'est une question d'état d'esprit, je pense. Malgré tout ce qu'on a raconté, ça fait 30 ans qu'on dit c'est fini. Malgré tout ce qu'on a raconté, les gens, ils éprouvent le besoin encore d'aller dans une salle obscure ensemble.